multiplié 3,68, c'est la longueur des poutres 20 fois 40. Donc multiplié par la section de la poutre qui est 0,20, multiplié par la section de la poutre qui est 0,20, multiplié par 0, multiplié par 0,40, multiplié par le poids volumique du béton armé, du poids volumique des sections de béton armé qui est 25 kN par mètre cube. Donc on a ça qui est égal à plus, on va déterminer la longueur de la poutre 20 fois 20. Donc la longueur de la poutre 20 fois 20. La longueur de la poutre 20 fois 20. La longueur de la poutre 20 fois 20, tout le poteau reprend, elle est 1 mètre. Donc nous aurons 1 mètre multiplié par 0,20. Multiplié par 0,20, multiplié par 25, multiplié par 25, multiplié par 25 kN par mètre carré. Donc nous aurons notre G2 qui est égal 3,68 fois 0,20 fois 0,40 fois 25 plus 1 multiplié par 0,20 fois 0,20 fois 25. Donc nous allons calculer tout ceci. J'agrandis ma calculatrice, je prends les parenthèses. Standard, je vais prendre une calculatrice scientifique. Donc, avec la calculatrice scientifique, j'ai l'opportunité de faire mes parenthèses. Donc, je tape le calcul qu'il faut. J'utilise ma calculatrice. Donc, je saisis le premier terme qui est 3,68. Multiplié 3,68, donc je fais la parenthèse 3,68 multiplié par 0,20 multiplié par 0,40 multiplié par 25, je ferme la parenthèse, plus le deuxième terme qui fait 1 multiplié par 0,20 multiplié par 0,20 encore et multiplié par 25. Donc ici nous avons les 25. Les 25 sont en kilonewtons par mètre cube. 0,20 en mètre, 0,20 en mètre et ici en mètre. Donc on a mètre, ça fait mètre cube, kilonewtons par mètre cube. Nous aurons un résultat en mètre cube. Donc je ferme la parenthèse ici et puis je fais égal. Nous avons 8,36, le poids propre des poutres, ça nous donne 8,36 kN. Maintenant, ensuite, nous aurons le poids propre du poteau 20 fois 30. Donc, le poids propre du poteau, que nous allons appeler G3, qui sera égal à la section du poteau 0,20 fois 0,30 multiplié par la longueur du poteau qui fait 3,20 multiplié par G multiplié par le poids volumique du béton armé qui est 25. Donc nous aurons G3 qui est égal à une calculatrice 0,20. Nous aurons 0,20 multiplié par 0,30 multiplié par 3,20 multiplié par 25 kN par mètre cube. Donc nous aurons le poids propre du poteau qui nous donne 4,8 kN. Donc nous allons déterminer maintenant le G qui est égal à G1 plus G2 plus G3. Donc nous aurons G qui est égal à G1. Nous avons G1 qui est égal à 72,30 plus
G2 qui fait 8, 36, 1 plus 8, 36, plus 4,8, plus 4,8, plus 4,8. Donc nous aurons G qui est égal. Nous aurons G qui est égal à 72,30. Et je fasse tout ceci. 72,30 plus 8,36 plus 8,36 plus 4,8 plus 4,8 plus 4,8. Donc nous avons un G qui est égal à 85,46 kN. 85,46 kilonewton, 85,46 kilonewton. Donc ça c'est le G d'un seul plancher. Donc ça c'est le G. On revient sur notre coupe. Donc ici on a notre poteau, qui est là. Ici on a les planchers, on a le rez-de-chaussée. Là ici c'est le rez-de-chaussée, étage 1, étage 2, étage 3. Donc pour la zone d'influence du poteau à ce niveau seulement, nous avons 44,84 kilonewton. Donc cette dalle étant identique à cette dalle, donc la seule différence c'est au niveau de cette dalle. Au niveau de cette dalle, nous aurons un G qui est un peu plus élevé parce qu'on aura la suppression du carrelage et l'intensité qui va venir à ce niveau qui est plus élevé que le carrelage. Mais pour ça, nous allons prendre un G, par exemple, on a 6,45, nous allons prendre un G ici qui fait 6,81 pour ce plancher. On a une charge d'exploitation 1, une charge d'exploitation ici qui fait 1. Donc on va appeler sur G. Ici on va appeler ça G prime. Ici on a G prime, G prime, G prime. Donc on a G prime, ça c'est G prime. G prime c'est sur deux planchers. On a G prime, le notre G prime c'est plancher haut du rez-de-chaussée qui correspond à l'étage 1, plancher haut de l'étage 1 qui correspond à l'étage 2. Donc on a le plancher haut de, donc notre G prime c'est sur ces deux planchers, plancher haut étage au rez-de-chaussée, plancher haut étage 1. Donc nous avons G prime ici, nous avons G prime ici, ici nous avons G seconde. Donc ici ça sera G prime, nous avons G prime ici, G prime ici et G seconde là. Donc nous allons calculer maintenant G seconde. Nous allons déterminer ici G. Nous avons G prime. Donc après G prime, nous allons déterminer G seconde. Donc la différence sera au niveau de G1. Donc nous allons recalculer le G1. Donc les G2 et G3 sont identiques, ils ne vont pas varier. Ça c'est le poids propre. Donc nous allons recalculer le G1. Donc ici G1, on revient sur le calcul de G1. Le calcul de G1, ça c'est Q. On revient sur le calcul de G1. G1, enfin ici nous avons le calcul de G1. Donc on a G surfacique étage courant slash, ici nous aurons le G surfacique toiture terrasse qui est égal à 6,90. Donc ici ce sont des exemples. Prochainement nous allons faire un tutoriel bien détaillé sur le social, comment définir ces différentes valeurs. Ce sont des valeurs qui varient en fonction des projets et des descriptifs des projets, et les valeurs normalisé se trouve dans la norme NFP-0014 pour le dimensionnement BAEL. Donc après nous allons exploiter la norme pour faire sortir G surfacique étage courant, G surfacique toiture terrasse. Comment est-ce qu'on les détermine en fonction des descriptifs? Donc nous allons calculer notre G2, notre G, nous allons appeler ça G'1. Donc nous allons calculer notre G second 1 qui est égal G second 1 qui est égal, donc nous avons 6,90 multiplié par 11,21 multiplié par 11,21. Donc on aura calculatrice 6,90 multiplié par 11,21. Donc ça fait 77,35. Donc 77,35, ici on a 77,35, 77,
0,35. Donc ça c'est j'ai pris mon j second 1. Donc on va calculer Q second 1. Donc Q second 1 lui Q il revient sur les charges d'exploitation. Donc ici nous si on va appeler ça ici on a le Q ici c'est Q. On a déjà calculé Q, Q ici on a 11,21, donc on a plus de Q à calculer, donc on va terminer par notre G. On va prendre notre G seconde. Qui sera égal à 77. Donc notre G seconde égale à 77,77, notre G seconde qui est égal à, il revient ici, 67,35 plus 8,36 plus 4,8. Donc on a ça plus 4,8, donc on a G seconde qui est égal à G seconde. Nous avons G seconde qui est égal à 77,35. Nous avons G seconde qui est égal à 77,35 plus 8,36 plus 8. 36 plus 4,8. 77,5 plus 8,36 plus 4,8 qui nous donne un résultat de 90,51. Ici nous avons 85. Ici nous avons 90,51 kN. Kilonewton. Donc généralement quand le plancher toiture n'est pas accessible, bon, généralement la différence des charges entre G premier et G seconde n'est pas trop, lorsqu'il est accessible on a vraiment une différence à cause de la charge d'exploitation qui redevient insignifiante à ce niveau. Donc nous allons finaliser par notre G total, le G qui va nous permettre de calculer notre plancher, donc de calculer pardon notre poteau. Donc nous aurons G qui est égal à G prime plus multiplié par à G prime multiplié par 2 plus G seconde. Donc nous aurons G qui est égal à G prime qui fait 85,46. G prime qui nous donne 85,46 multiplié par 2 plus le G seconde, notre G seconde qui va nous donner 90,51 kN. Donc on a 90,51 kN. On a 85,46 multiplié par 2 plus 90,51 kN. Donc ça c'est le G. Donc nous allons calculer le résultat qu'il nous donne. Donc on a G égal, on va répondre la calculatrice. Donc on a G qui est égal à la calculatrice. Donc nous avons G qui fait 85,46. On a d'ailleurs 90,51 là. Donc plus directement, j'ouvre une parenthèse, 85,46 multiplié par 2, je ferme la parenthèse et je fais égal. Donc nous aurons un G qui nous donne 261,46. Donc nous avons 261,46 kN. Nous avons 261,46 kN G. Notre G qui correspond à 261,46 kN. Donc ça c'est le G que nous recherchons pour le dimensionnement de notre poteau. Et ça, ça correspond à 26,146
146 tonnes. 26,146 tonnes. Que notre poteau prend comme charge? On a 26 tonnes. On a 26 tonnes. Donc, pratiquement, la charge d'un camion de 20 tonnes en plus, 6 tonnes en plus que notre poteau doit recevoir. Donc, nous devons équilibrer ce poteau avec une charge de 26 tonnes. 26 tonnes. Donc, nous avons géré. Et les 26 tonnes, ça, c'est la surcharge permanente plus les poids propres sans la charge d'exploitation. Donc, nous allons faire un récap. Donc, ici, nous allons le récap des charges. Le récap des charges. Donc ici le récap, nous avons G qui est égal à 261,46 qui correspond à 26,15 tonnes. Le logiciel ne prend que deux chiffres après la virgule. Donc ici nous sommes en tonnes. Ça nous permet de voir la charge en réalité. Donc ça fait 26 tonnes, 26,15 tonnes que notre poteau répond en charge permanente. Maintenant en surcharge d'exploitation, que donc la charge permanente, ce sont les éléments tels que le carrelage, la dalle encore creuse, le plancher lui-même, c'est-à-dire les outils plus les nervures, le faux plafond, l'enduit, les enduits et les croisons intérieurs, plus le poids propre des éléments tels que les poutres et les poutres. Ensuite, la surcharge d'exploitation correspond à tout ce que aux personnes qui vont habiter dans le bâtiment, les meubles, ainsi de suite, et tout ce qui est accessoire qui a été défini par la norme. Donc, nous aurons l'achat d'exploitation que nous avons calculé. On va venir, nous allons prendre notre charge d'exploitation. Donc, nous avons une charge d'exploitation qui est égale à 44,84 kN. 44,84 kN. Donc ça correspond à 4,484 tonnes. Donc ça, la charge d'exploitation, ça c'est la charge d'exploitation qui correspond à 4,84 tonnes. Donc après ça, normalement il y a l'effort normal qui s'applique dans l'axe en compression centrée. On a l'effort normal NU qui doit s'appliquer dans l'axe de notre poteau. Donc ici on a 20, ici on a les 30, ici on a 20, ici on a 30. Donc c'est chargé et Q. On s'est résumé en compression centrée, on aura ça, donc on aura ce point là. Donc notre charge va s'appliquer dans ce point qui est où nous aurons NU qui est l'effort normal de compression. Nous avons ici NU qui est l'effort normal de compression. L'effort normal de compression NU qui est l'effort normal de compression. Et NU il est égal à NU. Il est égal à 1,35 multiplié par G plus
1,5 multiplié par Q. Donc ici, nous avons déterminé G, nous avons déterminé Q. Donc si nous devons continuer en calculant manuellement, nous allons calculer NU et puis nous allons utiliser un organigramme de calcul qui définit toutes les formules jusqu'à obtenir la section d'acier qu'il faut mettre dans le poteau pour l'équilibrer. Donc ici, nous n'allons pas déterminer cette valeur dans le logiciel. Nous avons déjà ces coefficients qui sont définis. Nous allons simplement saisir les valeurs de G et Q calculées et le logiciel va nous vérifier tout ce qui doit vérifier, tel que ces conditions-là. Le logiciel peut nous vérifier ces conditions. Donc en plus, on a la longueur du flambement également. On a l'élancement du poteau qui est égal à la longueur du flambement sur le rayon de giration, qui doit être inférieur ou égal à 70. Nous n'allons pas calculer manuellement également. Donc ça, nous allons vérifier tout ceci dans le logiciel. Ici, on a le rayon de giration I qui est égal à la racine du moment d'inertie divisé par B. Donc le moment d'inertie qui est égal là, pour une section rectangulaire, on a le moment d'inertie suivant X et le moment d'inertie suivant Y. Donc suivant X, on a HB au cube sur 12 et suivant Y, on a BH au cube sur 12. Donc le maximum de ces deux correspond à grand I. Donc nous venons sur le récap. Voilà, donc ici on a le récap. Donc après le récap, nous allons démarrer le logiciel Autodesk qui va nous permettre de dimensionner notre poteau. Donc nous allons démarrer notre logiciel Autodesk Robot. Ici, moi j'utilise le logiciel 2020, mais c'est pratiquement le même principe de calcul qui sera 2018, 2020, 2016 et ainsi de suite. Donc nous attendons le démarrage du logiciel. Le système Autodesk analyses professionnelles s'est arrêté inopinément. Ok. Donc ici nous allons utiliser. Bon, ici j'ouvre. Bon, ça c'est les raccourcis de projet. Ici ce sont des raccourcis de projet que j'ai déjà réalisé en modélisation. Après nous verrons les modélisations. Donc ici ce sont des raccourcis de projet. Donc ici on ouvre le logiciel par défaut. Excusez-moi. Donc je clique sur plus. Donc ici on a tous les onglets de modélisation que le logiciel Autodesk nous offre. Donc pour le moment, principalement j'utilise l'onglet bâtiment, l'onglet coque, l'onglet portique spatial et l'onglet portique plan et l'outil et ce module que nous allons utiliser aujourd'hui qui est conception des armatures d'éléments BA. Donc normalement j'utilise pour l'échappement métallique, j'utilise soit ça. Pour le module coque, pour le projet un peu plus complexe, et le module bâtiment qui est spécialement conçu pour le dimensionnement des bâtiments qui est avec des raccourcis pour aller un peu plus vite. Donc ici aujourd'hui pour cette formation nous allons utiliser le module conception des armatures d'éléments béton armé. Donc ici nous allons démarrer le module. Donc on a le module qui est en train de charger. Ici nous avons le module là. Bon là lui il fait pas partie du module hein. C'est mon tableau numérique. Bon, je vais le déplacer là. Donc ici on a l'interface du logiciel là, avec le module là, de conception. Donc on va expliquer un peu. Donc, ici on a la zone de travail là. Ici on a le gestionnaire d'éléments béton armé, tous les éléments que nous allons créer dans le projet. Donc on aura ces éléments là. Ici nous aurons les éléments de structure. Ici en dessous nous aurons les propriétés de tous les éléments que nous allons créer ici. Donc quand nous allons choisir un élément, ses propriétés vont sortir ici, et parmi ces propriétés il y a certains qu'on pourra modifier ici directement et certains on sera obligé d'aller dans d'autres paramètres. Donc ici nous avons fichier nous permet d'ouvrir un nouveau projet, c'est à dire si nous avons fini de dimensionner ici, nous avons enregistré, nous voulons ouvrir un nouveau projet sans toutefois fermer le logiciel, on peut venir sur un nouveau projet ou prendre le raccourci CTRL plus N. Ouvrir un projet, ça nous permet de choisir, comme tout autre logiciel, ça nous permet de choisir un projet que nous avons déjà dimensionné. Assistant à la création d'une poutre, nous n'allons pas voir ceci aujourd'hui. Nous sommes dans le dimensionnement d'un poteau enregistré sous, donc c'est pour enregistrer sous, c'est pour enregistrer le projet sous un autre nom ou dans un autre dossier. Capture d'écran, comme lui permet de faire la capture du camp de notre écran.
composition d'impression, moi, généralement, on n'imprime pas directement sur le logiciel. Non, ainsi de suite, mise en page, ainsi de suite. Non, ici, bon, ici, c'est le mélange. Ce sont des raccourcis d'enregistrement que je devais réaliser. Donc, ici, affichage. Dans affichage, vue dynamique, rotation. Ça nous permet de faire des rotations, mais on ne va pas utiliser. Nous allons utiliser tous ces raccourcis. Nous avons ça ici. Et puis, il y a des raccourcis clavier également que nous allons utiliser. Déplacement, tout ça, nous allons utiliser des raccourcis clavier et la souris pour les réaliser, projection, ici, les choses. Donc, on va venir rarement dans affichage. Donc, élément BIA. Donc, on a l'élévation, la section, la réservation, le tableau de réservation, les sols, les charges, ainsi de suite. Donc, ici, ces éléments sont situés à notre droite ici, que nous allons utiliser directement. Donc, en analyse, on a vérifié, message de calcul, auto-vérification, sélection des charges. Donc, en analyse, après le dimensionnement, nous allons vérifier, nous allons, tout est visible parce qu'on n'a pas d'éléments créés directement. Donc tout ça c'est visé, on peut pas calculer, on peut pas vérifier. Donc résultat, donc dans les résultats, nous avons la note de calcul que nous allons voir après. Le diagramme pour le poteau, on va plus utiliser les diagrammes pour interpréter le plan d'exécution. On a le plan d'exécution ici, donc mais ici tout ça on va utiliser plus les raccourcis pour afficher nos dessins. Donc armature ici, on a translation ici, ça nous permet de modifier notre dessin de calcul. Translation, nouvelle barre, nouveau lit d'armature, ça nous permet de modifier notre dessin d'exécution. Donc outils, traitement des textes, ici c'est choisir les styles de texte qu'il faut. Ici c'est une calculatrice, vous faites des calculs. Une calculatrice normale, ici c'est une calculatrice, comme la calculatrice qu'on utilisait dans le dessin de charge. Donc préférence de la tâche, ici on a préférence, la préférence nous permet de choisir. Ici on utilise le logiciel en français, donc la préférence, lui ici on va rien modifier, on garde français, ok. Donc directement nous allons changer, donc la première chose à faire, donc, on va revenir sur outils tout à l'heure. Donc dans module complémentaire intégration, ici Autodesk, il y a Autodesk a des liaisons avec Autodesk Revit dans la modélisation. Donc pour ce module on va utiliser, nous n'allons pas utiliser le module intégration, c'est juste la présentation. Autodesk App Store lui nous permet de faire des mises à jour, qu'il s'agit des plugins, avec des plugins qui nous permettent d'intégration dans d'autres logiciels. BIMworks, ça c'est une extension du logiciel que j'ai installé qui permet de calculer des pures. Donc ici, fenêtre, donc on a une nouvelle fenêtre mosaïque, ça nous permet de faire plusieurs fenêtres sur la zone de travail. Aide, si vous avez des préoccupations. Mais ça fonctionne avec Internet, les aides fonctionnent avec Internet. Communauté, forum de discussion, tout ça, ça vous permet d'aller directement sur les pages internet pour discuter. Donc ici, nous sommes là pour le dimensionnement d'un poteau en béton armé, donc sans toutefois tarder. Ici, je vais afficher mon tableau et le réduire. Ici, je vais réduire mon tableau, donc je vais réduire tout ceci, tout ça, ça ne fait pas partie du logiciel. Donc ici, je vais déplacer celui-là. Là, ici. On a ça. J'arrive pas à déplacer, hein. Non, c'est pas grave. Donc là on a ça, si lui je vais le mettre là, donc il va réduire légèrement parce qu'on aura besoin des valeurs de la distance de charge. Donc s'il ferme le tableau, ça sera pas bon, on aura besoin d'aller regarder G et Q. Donc je vais réduire tout simplement le logiciel et bien positionner pour ne pas que le tableau nous gêne. Voilà, donc on a notre logiciel là qui est là. Donc ici on a l'onglet qui nous permet de, on a l'élément poutre, nouveau poteau, nouvelle semelle filante, nouvelle poutre voile, nouveau voile,
nouveau voile. Donc on a vu à quel moment un poteau, on a vu les conditions pour que le poteau, les conditions pour pouvoir dimensionner un poteau ou passer directement en voile. Quand les conditions de dimensionnement d'un poteau ne sont pas respectées, lorsqu'on a la longueur divisée par h qui est supérieure ou égale à 3 et h est inférieur ou égal à 4 fois b, directement on calcule un voile, on ne calcule plus un poteau. Et ici nous allons prendre l'onglet poteau qui est là, nouveau poteau. Donc on a nouveau poteau, voilà. Donc on a nouveau poteau. Donc ici, ça nous permet de renommer le poteau, de garder le nom du poteau, poteau 1. On peut effacer et écrire le nom du poteau que nous voulons. On peut appeler le poteau. On va regarder sur le fichier, c'est quel nom? C'est poteau P2. Donc nous allons revenir poteau P2, nous allons revenir ici. Celui-ci est le nom, on a écrit poteau P2. Poteau P2. Donc ça c'est le nom du poteau. Ici par défaut on a un poteau de section 40 x 40. Alors que notre poteau il a une section de 20 x 30 ans. Donc pour ce faire nous allons venir ici, géométrie, nous allons venir ici. Là sur ça, géométrie du poteau. Quand vous mettez la souris ici, l'élément, vous allez voir le nom va sortir. Si chaque élément, lorsque vous mettez la souris quelque temps après, le nom sur géométrie du poteau. Donc nous allons cliquer sur la géométrie du poteau et définir exactement la géométrie de notre poteau. Donc ici la géométrie du poteau, on a la géométrie du poteau qui correspond à notre B qui est le plus petit côté du poteau. Le B c'est toujours le plus petit côté du poteau et H le plus grand côté du poteau. Donc nous avons le B qui fait 20 cm, nous avons notre B qui fait 20 cm, donc on efface tout ça, on écrit le 20 cm, et nous avons notre H qui fait 30 cm. Donc notre H qui fait 30 cm, donc ici, ça c'est pour changer la forme du poteau. Mais ici, la section, nous avons une section rectangulaire, donc on garde la section rectangulaire. On a B qui fait 20, on a H qui fait 30, HC. Nous avons HC, HC, c'est la longueur de notre poteau qui fait 3,20. Donc nous allons saisir la longueur de notre poteau qui fait 3,20. On tape 3,20. HB, c'est la plus grande retombée que nous avons et qui correspond dans notre cas à 40. Donc nous avons 0,40 à saisir. 0,40. Donc nous avons HB qui est 0,40. HS, c'est l'épaisseur de notre plancher. Donc HS correspond à 0,20. Donc une fois que nous avons fini de saisir les données du poteau B0,20, H30, B20 cm, H30 cm, HC 3,20 m, HB 0,40 m et HS qui fait 0,20 m. Donc une fois que nous avons fini tout ceci, on fait OK. Donc vous voyez la géométrie du poteau a directement changé. Et ici on a 0,20, on a 0,30. Ici les 0,20 du plancher et puis la retombée qui nous fait 0,40.